Salut Seidan, aujourd'hui on est sur du Forza Horizon. Je vais vous expliquer une petite chose parce que la 45 c'est la dernière fois qu'on la voit malheureusement. Et oui, parce qu'elle est déjà vendue, donc je suis assez triste quand même de la faire partir. Mais en même temps je voulais vous présenter 2-3 petites choses sur Forza. Déjà la vitesse de pointe de la 45, je trouve qu'elle va pas assez vite dans le jeu. Voilà, je vous le dis, elle va pas du tout vite. Oh, il y a eu un accident ici, abusé. Et j'ai acheté, du coup vous avez vu la voiture la dernière fois, j'ai vu qu'il y a plein de gens qui m'ont dit qu'elle était pas mal et tout, la couleur. Ah merde! Oh les mecs! Oh, oh putain les mecs, il y a les coffres, il y a la gendarmerie! Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête ou pas? Oh les mecs, j'ai trop peur, je sais pas quoi faire! Arrête-toi! Oh, t'es qui toi? Oh putain les mecs! Attends, je vais me mettre sur le côté. Je vais me mettre sur le côté là. Attendez, je vais me mettre sur le côté parce que là, la gendarmerie là, ils nous cassent les couilles. Hein. J'espère que t'es en règle. Bonsoir monsieur! Bonsoir! Mais qu'est-ce que vous faites là? Eh oui. Du coup aujourd'hui on est avec Juno, vous l'avez vu, ça faisait longtemps que je voulais faire une petite vidéo. Mets-toi à côté de moi que je vois un peu ta voiture. J'ai pas de plaque monsieur l'agent, Ah bah là, c'est clair, mais t'es tellement pas en règle. C'est pour éviter de me faire flasher monsieur. Du coup on est avec Juno, je vous avais dit que la dernière fois on allait faire une vidéo avec lui. Donc là on n'a pas le volant, mais vraiment la prochaine vidéo, promis qu'on a le volant. Parce que c'est dur un peu à setup pour moi. Surtout que c'est un peu galère. Donc Juno qui est ici, qui a une chaîne YouTube. Donc Juno, n'hésitez pas à aller à la mettre, hein. Je la mettrai en description, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Juno, je lui ai proposé un truc. Je lui ai dit, écoute, est-ce que tu serais chaud qu'on fasse une course poursuite sur Forza Horizon, en sachant que moi je sais pas trop conduire. Donc on fera deux versions. On fera en fait oula, c'est qui est venu comme ça en balle? C'est clair. Alors, du coup ce qu'on va faire, on fera deux versions Juno. Je te propose de faire une course poursuite où là on joue à la manette. On est d'accord que t'as la manette aussi. Ouais. Voilà. Ouais. Et on fera une autre version un peu plus tard sur la chaîne où cette fois-ci ce serait avec le volant. Mais autant dire qu'on va en chier. Qu'est-ce qu'ils font les camions là? Mais j'avoue. Mais ça va pas de calme comme ça. Mais oh, ils sont complètement malades ou quoi? Donc on fera une autre version où du coup on jouera avec le volant, en sachant qu'avec le volant je crois qu'il y a le retour de force. Du coup le volant revient et tout. Je vais en chier Juno, je te dis, jamais conduit sur force avec le volant. Je vais littéralement en chier, d'accord? Je te le dis. Ouais, à mon avis on va bien galérer, je pense. Ah, c'est sûr et certain. Donc là ce que je te propose c'est qu'on fasse une petite course poursuite. Ton but c'est vraiment de me toucher. Au moment où tu me touches, je suis arrêté. Et je vais tester avec plusieurs véhicules. Donc là j'ai la 45, je sais que tu vas me rattraper parce qu'elle va pas du tout vite. Mais après avec la Lamborghini, ouais. tout ça, ça va être très différent. Donc voilà. Ouais, ça va se compliquer. Ouais. Ok, tu peux me laisser un peu d'avance? On crée un petit bouton. Ouais, vas-y. Alors, par contre, ta voiture, on explique ce que c'est quand même. C'est la Mégane RS, c'est ça, de la gendarmerie. C'est ça. Elle est trop belle. Vraiment, la couleur et tout, elle est trop belle. D'ailleurs, ouais, pour l'anecdote, je vous raconterai un petit truc où un jour j'ai fait une petite course poursuite avec une RS7 dans la vraie vie, hein, cette fois-ci. Donc, je vous raconterai ce petit détail. Ce sera sur Twitch. Voilà, je vous raconterai ce petit truc. Vas-y Juno, t'es prêt? 3... Non, laisse-moi d'avance, d'accord? Tu viens quand tu veux, parce que frérot... C'est quoi, je te laisse partir, je décolle au moment où tu recommences à rentrer dans le tunnel. Allez, c'est parti. Je te dis quand je suis dans le tunnel. Tu me feras le plaisir de remettre ta plaque au passage. C'est bon, tu peux venir, vas-y, je te laisse venir. Allez. Oh là, j'adore, la 45 quand même, je suis dégoûté de l'avoir vendue. Mais bon, on va passer à un nouveau véhicule, autre chose. Qui a rien à voir avec la 45 cette fois-ci, mais rien à voir avec une voiture. Hein, vous verrez de toute façon. Bon, Juno, je vous le dis, la RS ça fait combien de chevaux, tu sais pas? Non, là je suis à 330. Ah ouais, moi je suis qu'à 274 et ça va pas plus vite que ça. Hein. Mais je suis à fond de calme. Là je suis à 340, je suis à fond de calme, je peux pas le plus. En sachant que là en difficulté, nous on joue en pro là, nous deux. Du coup on a pas d'ABS, donc oh putain, c'est mort. C'est moyen. Ah ouais, elle rigole pas la Mégane RS. Hein. Ah ouais. Oh attention! Hop! Oh putain! Oh la classe! Putain, regarde les disques, comment ils sont brûlés devant. Enfin, comment ils sont chauds. C'est impressionnant. D'ailleurs, on est en saison hivernale, donc c'est assez cool. Bon, nous on voulait de base l'été, mais bon, c'est pas grave. En vrai de vrai, c'est pas si compliqué que ça. Ça va, ouais. Ok, c'est parti. Deuxième essai cette fois-ci, je te le dis, tu vas en chier à me rattraper, d'accord? Donc, je vais un peu t'aider hein, de temps en temps. Ouais. Parce que la dernière fois, en fait, je vous ai vu qu'on a tourné la vidéo deux fois parce qu'elle n'a pas marché une première fois. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo jeudi. Mais du coup, là, je vous le dis, ça va bien marcher. Et Juno, je te souhaite bonne chance. Tu peux commencer à venir, hein, vas-y. Là, c'est clair. Je pense que même, t'arrêtes peut-être même plus de laisser un peu d'avance. Laisse un peu d'avance, vas-y. Je te laisse un peu d'avance. Voilà, vas-y, c'est parti. Ok, le but c'est vraiment que tu me touches, hein, donc Vas-y.
N'importe quoi, le gars, il a un Ferrari, il tape dessus. Il bouffe les rambardes d'entrée de jeu. Oula. Ah ouais, voilà, je me suis fait flasher. Attends, mec, comme... Putain. Alors, je vous le dis, il neige, du coup, bon, bah, ça glisse, hein. Oh, il y a un gars, il a fait une grosse dedans. Ah merde, il y a un rond-point. Espèce de petit dip, là. Il y a un rond-point. Ah non. T'as foncé sur un PNJ, le pauvre. Ah, je me suis dit, si je file, je rentre en plein dedans. Oh la vache! Ah putain, bien joué! Putain, c'était chaud, hein! Bon, là, je me suis un peu amusé, je driftais parce que si j'étais en ligne droite, ça y est, hein, c'était fini. Hein. Ah, c'était fini, ouais. Mais d'ailleurs, une Ferrari. Bah ouais, mais c'est chaud en vrai, parce qu'imagine la gendarmerie, ils ont pas un véhicule qui va plus. Tu vois? Qui va plus vite. En Italie, mais je sais qu'ils ont tout, quoi. Eh, par contre, après, ce qu'on va faire, moi, je te propose, Juno, c'est que. Je pense que ça doit exister, la Ferrari de police ou quoi. Et ce que je fais après, c'est moi qui vais te courser, tu vois? Vas-y, ouais, si tu veux. Si t'es chaud. Ouais, je pense qu'il doit y avoir des trucs. Ou l'Aventador, c'est sûr, elle doit y être. Bah, je vais prendre l'Aventador. On fait une dernière fois et après, c'est moi qui te course, d'accord? Parce que là, je te le dis, Juno, je vais t'attraper, hein, je te le dis. Ah, ça rigole pas. Allez. Oh, regardez, ah, c'est magnifique. Oh la vache. Ah, j'adore. Oh là là, les si. Oh, j'adore ce jeu, il est tellement trop bien fait. Je l'aime. Regarde-lui là, regarde-lui là. Concurrence, demande le respect. Allez, c'est parti. Vas-y, je te laisse de l'avance, vas-y. J'avoue que moi je suis là. Allez, c'est parti. Et je fais genre, je conduis tranquille. Ouais, je suis genre de gars, tu vois, qui va venir te provoquer. Quoi. Vas-y. Oh là là, par contre, quand tu joues en manuel, enfin en auto, c'est pas ce qu'il y a. Allez, c'est parti. Allez. Toi, il y a le klaxonner. Oh. Ah non. Attends, bouge pas, reviens. Ah non, hein, ça y est, moi je me barre. Bon, normalement, je suis mort, hein. On va pas jouer RP non plus. Mais normalement, je suis mort depuis longtemps. Hein. Le but, c'est vraiment que je te sème, tu vois, pour. Ça y est. Je te sème. Je sais pas comment on dit. À 400 mètres, tournez à droite. Ah ouais, mais tic, c'est. Je vais stopper par un truc de neige. Mais tic, oh, t'inquiète pas, je. Non, mais c'est abusé, frérot. On va croiser vers les petites routes. Mais freine surtout pas. Oh la vache! Oh putain de merde! Ah, j'étais tellement prolé! Oh putain! Allez là, hé! La bête t'adore, c'est pas du coup de terrain! Ils ont créé le Urus, mais il sert à rien! Ça serait. En vrai, ça serait énorme, genre tu peux faire des customs, je sais pas si c'est faisable sur Horizon, genre des customs un peu comme. The Crew. Où tu peux faire rehausser tes bagnoles pour en faire oui, des. Oui, mais ça doit exister peut-être, hein, je sais pas. Ça serait tellement stylé en vrai, je sais pas si sur Forza ils le font. Après, il y a le nouveau Forza apparemment qui va sortir, bien sûr, on va jouer dessus, hein, vous le savez. Mais je l'attends tellement le nouveau, honnêtement. Mais ça serait énorme. Après, avoir quelle. Je sais pas sur quelle ville ils vont partir. Enfin, je suis. Bah, moi, ça serait bien qu'ils soient en France, hein, tu vois. Ça serait kiffant. Ouais, en vrai, ouais. Tu sais, sur les routes de France, tu peux tellement plus rouler aujourd'hui parce que c'est limité à 80, 50, 30. Ça te fait plaisir de pouvoir rouler chez nous, mais vraiment. C'est un gars qui a plus de permis qui dit ça. Hein de quoi, les gars? Oh, tu vas même pas toucher. Oh là là. Mais non. Mais mec, il se faufile en cloire. Putain, ça fait. Comment ça se fait que t'as pas pu me toucher comme ça? À 200 mètres, tournez à gauche. Ah, j'allais dire, putain, j'espère qu'il est. Viens ici, viens. Ah, l'esquivation, les amis. Une vraie savonnette. Allez. Faites demi-tour. Où Juno? Non, je suis pas. Je suis pas très loin. Oh gros. Ah oui, d'accord. Oh d'accord. Mec s'envole. Ah, c'est bien ça. Ah bien joué. Là. Putain de merde. Ok, bah bien joué. Bien, ce que je te propose, c'est que là, on va. Comment on fait pour custom la voiture? Faut obligatoirement aller à Horizon, hein. Ouais, il me semble, ouais. Okay. Ok, du coup, les amis, là, j'ai demandé à Juno qui regarde pas ma voiture, qui sont un peu choqués. Vous, je vous la montre en avant-première. Donc voilà, si la gendarmerie avait ce genre de véhicule, je peux vous dire que là, ça serait incroyable. Mais bon, on est en France, attention, ils ont pas assez de moyens pour acheter ça. Mais par contre, à Dubaï, il y a des voitures comme ça, quoi. Ok, bah là, on va voir Juno qui a pris son véhicule. J'ai entendu, hein, il m'a dit un peu ce que c'était. Je crois que c'est une Porsche, c'est ça? C'est ça, ouais. Elle est boostée à 999, moi aussi, du coup, 999. Autant vous dire que là, je sais même pas si on va réussir à les contrôler.
Alors, est-ce que tu me vois du coup sur la carte? Là, c'est violent, ça mène. Ok, ouais, tu me vois. Ouais, j'arrive. Oh, tu vas. Alors, lui, je vous le dis. Oh putain! Oh! Oh putain, Roger! Roger, viens voir, vite! Oh putain! Vous avez atteint votre destination. Oh, je peux te dire que là, je vais te tuer. Hein. Oh putain, Roger! Vas-y, t'en accélère. Regarde, il est là, bah, Roger! C'est laquelle qui arrive, mon gars? Roger, il est là! Chope-le! 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 Oh la vache! Non, elle, franchement, elle a. Putain, comment elle bombarde! Mais attends, mec, elle est incroyable! Ah, j'avais pas qu'il au max, hein! Elle va archi vite, regarde ma voiture! Ah, elle est stylée en vrai comme ça! Gendarmerie et tout, qu'est-ce que t'as cru? Non, mais oh! Mais par contre, regarde comment elle bombarde, regarde! Ah bah elle est partie direct. Hein. Mais c'est ouf. Je me suis dit vas-y, je ralentis un peu le temps qui, parce que à la vitesse que j'ai devant, je me suis dit il va falloir mettre un peu de temps à revenir. Il est revenu à une vitesse. Mais mec, je suis presque à 400 là. Je. Wow. Excusez-moi. Wop. Wow. Putain, mais elle va vachement vite hein, par contre. Hein. Chope-le lui. Oh merde, on croirait. Allez, chope-le lui. Chope-le. Oh, je suis un peu le. Bah, franchement, c'est incroyable comment les véhicules vont archi vite. En tout cas, vraiment incroyable. Hein. J'adore. Je pensais pas qu'elle allait aussi vite la Aventador, mais what the fuck quoi. Mais c'est, oh, c'est énorme. Viens, on prend max d'élan et on fonce en haut sur la montagne. Attends. Mais tu sais qu'elle part d'un coup, genre. Ouais, elle décolle direct la tienne. Mais direct, regarde, là, regarde, viens voir à côté de moi. En sachant qu'on est en pro. Hein. Mais regarde. Hop. Regarde, y'a. T'es prêt? Vas-y. Tu déglingues ta caisse. T'as vu comment elle bombarde? Ouais, elle est toute cassée. Allez, go tout droit là. Hop. Et vise le moulin. Viens entre les poteaux. J'arriverai jamais. Ah, pour dans tous les sens ta caisse. Frère, j'arrive pas. Oh putain, merde. Mais c'est trop dur de diriger le véhicule. Il va trop vite. Et en plus, avec la neige. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça glisse. Ah, mais tu sais qu'elle part. Ça me choque en fait de me dire putain, mais regarde. Tu sais que là je suis à 100 en quelques secondes là. Je suis déjà à 200 là, 200. Je suis à 200 là, t'imagines? C'est énorme. 300 là, je suis à 300. Attends, j'ai envie d'aller tester sur l'autoroute avant de couper la vidéo, tu vois, mais attends. C'est où l'autoroute? Bon, fallait ramener les moutons avant. Ah merde. Pourquoi t'es pas venu ramener les moutons? Mais attends, elle est où l'autoroute là? Attends, c'est faisable la route là. Hein. Attends, je vais essayer d'attendre un max de vitesse. Attends, c'est faisable ici. Bon, certes, il neige, du coup, on voit pas trop. Je vais te dire à combien je roule. Bah, attends, je me mange des arbres et tout, du coup, c'est un peu chaud. Mais je te mets tous les cailloux de la terre. Ah ouais, mais c'est chaud, ça glisse trop. Tu me vois ou pas? Il est parti en pleine forêt. Ah ouais, non, mais là, clairement, je suis avec le U. Je vois juste ton point sur la map et t'es carrément joué. Il était en train de rouler en. Ah, viens voir. J'étais limite dans l'arbre là. Wow. Non. Je te jure, j'étais dans l'arbre. Ah, par contre, c'est incroyable. Hein. Franchement, la Lamborghini gendarme, elle est incroyable. Vraiment. Bah écoutez, je crois que. Bon, on va se laisser là-dessus hein, parce que là, on a pas mal. J'ai gagné d'ailleurs du premier coup, Juno. Hein. C'est clair. J'étais vraiment. J'étais rattrapé en 2 secondes 5. Ouais, je m'y attendais tellement pas. S'il y a des gendarmes là qui. S'il y a des gendarmes là qui veulent la Lambo. Bah, on appelle Emmanuel Macron, on lui prévient, on lui dit voilà, regardez l'utilité, on rattrape une Porsche en 2 secondes 5. On a un petit custom. Voilà. Non, mais vraiment, les gendarmes, je pense qu'ils kifferaient l'avoir. Bon, ils kifferaient un peu plus, voilà, ils iraient rouler en ville et tout pour faire les kékés, mais sinon, voilà, pas mal. Bon, en tout cas, merci Juno, c'était bien sympa. Mais y'a pas de souci, avec plaisir. C'était bien sympa, je t'ai rattrapé, bon, malheureusement, carrément. Voilà. Hein. C'est quoi ta Porsche? C'est une GT2 RS en plus. Ah, c'est la même que moi ouais. En fait, putain. Ok, et toi les boosts à 989 aussi. C'est ça. Oh putain la vache. C'est ça. Incroyable. Voilà, bah en tout cas. La tienne, mon gars, hein. Poursuite. T'as dit quoi? La tienne, elle est en papier mâché, mon gars. Non mais grave, il fait des appels de phare à la Mercedes devant. Non mais ça va pas, non. Monsieur, les vite tentés, c'est interdit. Allez hop, contravention. Votre attestation, monsieur. Vraiment pas. Allez. Mal du tout en tout cas.